Salut tout le monde, joyeux Halloween! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. Donc, de trois figurines pop. Alors, excusez-moi parce que vous devez le remarquer, mais je suis très 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 enrhumée. Je pense comme tous d'ailleurs. Alors, je tenais à vous souhaiter un joyeux Halloween. Qui était hier soir. Donc, alors, hier soir, je me suis déguisée en Stranger Things avec ma meilleure amie. Et la journée, je suis allée acheter ces trois pop. Et franchement, je suis très 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 contente de les avoir achetés. Alors je vais toutes vous en faire la review. Donc vous les présenter. C'est parti. Alors on va commencer par celle-là. Alors, ça c'est Bob dans Stranger Things. Alors là, c'est quand il est déguisé en vampire pour Halloween. Alors c'est le numéro 643. Vous voyez marqué Stranger Things. Pop Television. Peut le voir sur le côté. Et là, il y a la collection. Alors, moi, j'ai déjà celle-là. Eleven, quand elle est en l'air. Voilà. Je tenais à dire qu'il y a beaucoup de détails. On voit bien. Attendez, j'essaie de mettre la qualité. Voilà. Beaucoup de détails. C'est dense. Enfin, voilà quoi. Il y a vraiment beaucoup de détails. Alors, après. Ça, c'est la figurine pop de Coraline. Alors, franchement, je ne savais vraiment pas que les pops de Coraline n'existaient pas. Qu'alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé de celui qui a fait L'étrange Noël de Monsieur Jack, Tim Burton, bien sûr, mais un autre, donc voilà. Et alors, en fait, ce dessin animé, vraiment, je l'adore. Je me souviens quand j'étais en 6e, j'avais demandé le livre. J'avais lu le livre, j'avais acheté le DVD, d'ailleurs, je le regarde toujours. Et là, c'est la poupée de Coraline dans le dessin animé. Alors, vraiment, celle-là aussi, elle est très très belle. Il y a beaucoup de détails. On voit les traces de boue sur son manteau. On voit ses yeux en bouton. Ses cheveux en LED. Voilà. Et alors, quand je suis allée à Micromania, j'ai vu celle-là. L'autre mère. Et celle-là, Monsieur Bobinski et la souris. Donc voilà. Et j'aimerais bien l'acheter celle-là et celle-là, ces deux-là en fait. Et après l'autre mère. En fait, j'aimerais toutes les avoir, peut-être à part moi celui-ci, c'est celui que je préfère le moins, mais voilà quoi. Voilà la Coraline Doll. Alors, Coraline Doll, c'est la poupée de Coraline. Alors, c'est le numéro 425, Pop Animation. Donc, alors, c'est en animation. Et là, on peut la voir avec un fouet avec des boutons. Bleu foncé. Donc voilà. Elle est très jolie. Franchement, voilà. Alors, celle-là, c'est une autre de Stranger Things qui est vraiment, vraiment, mais super belle. Alors, c'est deux styles déguisés en Snowball Dance. Donc, alors, ça veut dire pour le bal d'hiver. Alors, c'est une édition limitée. Donc, elle va coûter, bien sûr, plus cher. Alors, là, il y a marqué 2018 Summer Convention Limited Edition. Donc ça veut dire 2018, convention été, édition limitée. Donc voilà. Alors c'est le numéro 617. Donc voilà, on peut le voir là. Alors je sais pas si vous remarquez, moi j'ai remarqué ça dès le début, que la couleur de la veste, donc alors c'est pas, ça se voit moins à l'écran, mais quand vous regardez, c'est pas tout à fait la même. Donc voilà. Alors après là, il est avec la coupe de Steve. Voilà. Alors j'ai déjà Eleven là, Mike là, voilà. Et bientôt je vais avoir Max qui est là. Et franchement, c'est une figure pop qui est très belle, franchement. Excusez-moi encore pour mon nez parce que là vraiment je suis enrhumée, mais c'est chiant, hein, vous pouvez pas savoir. Et là on voit encore le logo Stranger Things. Donc voilà. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker et je te souhaite encore un joyeux Halloween. Bye!